L'artiste Alun Watt sera en concert avec son nouvel album Sultan, lors d'une soirée jazz prévue ce samedi 11 juin 2022 au Spoon d'Abidjan Plateau. La structure Miracle Event présentera en concert Alun Watt avec son nouvel album Sultan, au cours d'une soirée jazz à Abidjan dans la commune du Plateau, samedi 11 juin 2022. Paco Seri en guest star ce mercredi 8 juin 2022, les promoteurs de l'événement ont annoncé que Paco Seri est la guest star de cette soirée jazz. Ce nouvel album Sultan est le cinquième de l'artiste Alun Watt. Il se présente comme un voyage musical entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, qui s'étire langoureusement jusqu'à l'Afrique de l'Est et l'Éthiopie, guidé par les rythmes arabo-andalous, berbères ou le souffle des chants soufis, et mêlant les saveurs cuivrées de l'afrobeat aux envolées des makans orientaux et du jazz, a décrit Marion Paoli, spécialiste des territoires et de l'écoute tout-terrain. 12 titres comme autant de récits. Sultan comprend 12 titres comme autant de récits. Il y a successivement Sabaes Journey, Donso, Sultan, Nestissant, Utopique, Portrait de mort, Jollof Blues, Dalaka, L'ombre de l'âme, Lullaby for Sultan, Célébration et Café Oran. Lire aussi Musique Abidjan Jazz by BCC, remarquable soirée assurée par Paco Seri et son groupe Marion Paoli en dit plus à ce sujet. Entre force et mystère, rythme guerrier ou charme envoûtant, Sultan déroule des épopées de mythes fondateurs du continent africain qui surviennent à la croisée de récits d'actualité brûlante, a indiqué la rédactrice en chef à Jazz Magazine et Couleur Jazz. 19 musiciens réputés, faut-il le souligner, plusieurs musiciens célèbres t'accompagnent à Alun Watt sur ce nouvel album, dont Adriano Tenori au DD aux percussions, Cédric Duchemin au piano et clavier, Carlos Sarduy à la trompette, Hugues Maillot au saxophone et Daryl Esso à la batterie. Sur l'album, on reconnaîtra non moins de 19 noms réputés chacun dans leur domaine, batteur, chanteuse, rappeur, flûtiste, tromboniste, joueur de oud, de gambri, a précisé Marion Paoli, entre autres. Alun Watt ne cesse de tisser une trame jazz intuitive, depuis son premier album solo, Mbolo, paru en 2006, Alun Watt ne cesse de tisser une trame jazz intuitive. Bassiste, auteur, compositeur, interprète et producteur, avec Aziz Samaoui, il forme en 2010 le groupe University of Niawa, avec lequel il explore les secrets de la trance Niawa sur toutes les grandes scènes du monde, a-t-on appris. Lire aussi Abidjan Jazz by BCC / Luc Sigui séduit Abidjan. Les deux musiciens font partie de ceux qui ont joué avec Joe Zawinul et participé au métissage cosmopolite cher aux claviéristes et pianistes viennois. En 2015, Watt participe à l'album de Marcus Miller Aphrodisia, Blue Note, et enregistre avec le pianiste cubain Harold Lopez Nussa, Havana Paris-Dakar, World Village / Harmonia Mundi, a-t-on fait savoir. Vision commune et inspiration. La bande son, ciselée à la Havane, témoigne de leur vision commune et de l'inspiration puisée dans chaque ville. En 2018, le bassiste produit African Fast Food. Il s'agit d'un quatrième album qui croise déjà les langues, les rythmes, jazz, afrobeat et folk, en s'entourant désormais d'une palette de musiciens, originaires de nombreux pays, qui composent à chaque fois un nouvel espace musical.